En Iran, Ispahan a toujours eu beaucoup de chance. Entre les routes commerciales chinoises, russes, golfe persique et ottoman, elle jouit d'une position stratégique incontournable. C'est une oasis à 1500 mètres d'altitude sur le plateau iranien. Et vous allez comprendre pourquoi Ispahan se nomme le joyau du Moyen-Orient. Dans la mosquée Jamé, la mosquée du vendredi. Jamé, c'est vendredi en farsi. Donc c'est la plus ancienne mosquée d'Ispahan et elle réunit en fait tous les sites architecturaux persans et donc elle est magnifique. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes. On est sur la place, je ne sais plus son nom, mais c'est pas la grande place, c'est la deuxième grande place de Isfahan. Et on est juste là, il y a l'ancienne mosquée en fait. Attention, il y a nos jus d'orange pressés qui arrivent. L'ancienne mosquée plus vieille de 400 ans est là et on va aller la voir juste après avoir bu ce merveilleux jus d'orange garanti tourista. On est sur la place, la plus grande place d'Ispahan, la deuxième plus grande place du monde. Ah, la chapelle qu'on a vue tout à l'heure. Allez, au galop, au galop, au galop, au galop, au galop. Il veut pas galoper. Tu peux aller à l'Icapour? On est dans le quartier arménien. Place Jolfa. Et là-bas,
là-bas, il y a la cathédrale. Là-bas, il y a la cathédrale, on est dans le quartier Amélien. D'Ispahan et on visite la cathédrale Vank. C'est une cathédrale orthodoxe, donc en fait on est dans la salle principale où il y a énormément de peintures, notamment le jugement dernier là, qui est juste derrière nous, où on voit l'enfer, le paradis et le jugement. Voilà. Donc c'est une cathédrale qui est assez impressionnante, c'est un quartier assez sympa d'Ispahan, plutôt piétonnier, voilà, assez agréable, on recommande. On est au palais Sheikh El Soutoun. C'est un palais qui est dans un énorme parc. Bonjour, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous liker, à vous abonner, à nous laisser des commentaires. Et de la part des 5 partout, je vous souhaite un bon voyage. À bientôt !